Son histoire était donc vraie. Le naufragé salvadorien José Salvador Alvaranga, qui dit avoir dérivé pendant 13 mois sur l'océan Pacifique, a passé avec succès le test du détecteur de mensonges. Puedo decir que según las pruebas estandarizadas internacionalmente, el señor Alvaranga es estable emocionalmente, por ende su historia es real. Le récit de José Salvador Alvaranga laisse sceptiques certains spécialistes. L'homme de 37 ans raconte avoir erré en mer pendant plus d'un an suite à un problème de moteur sur son bateau de pêche en décembre 2012. Il est réapparu aux îles Marshall, à 12 500 km de son point de départ. Les conditions extrêmes de ce périple ont eu raison de son équipier, décédé au cours des premiers mois. Quand j'avais un mois d'andar avec mon compañero, buscando qué comer, esperando pájaros, esperando algún pescadito que agarrar, porque vine a comer a los 15 días, porque, o sea, los daba vómito, huele la carne cruda, los tomábamos los orines cuando teníamos mucha sed, y en ocasiones cuando llovía, que tomábamos agua. Une étude réalisée par une université de Hawaï, basée sur l'analyse des vents et des courants, confirme également le récit rocambolesque du Salvadorien. José Salvador Alvaranga souffre aujourd'hui d'une phobie de la mer. Il devra suivre un traitement médical psychologique pendant au moins 6 mois.